Ça s'est passé il y a quelques années, je devais avoir dans la trentaine. J'avais un film préféré, Le Dîner de cons. J'étais vraiment fascinée par ce film. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir. L'histoire est assez simple. Chaque mercredi, un dîner de cons est organisé. Chaque membre amène avec lui un con, intarissable sur un sujet précis qu'il a déniché au hasard. Ensuite, les organisateurs se moquent des cons toute la soirée sans que ces derniers ne s'en rendent compte. À l'issue du repas, on choisit le champion. Bref, j'avais revu le film au moins 15 fois. Si bien qu'une idée m'était venue en tête. Il fallait absolument que je participe à un de ces dîners, en vrai. En tant que membre, bien sûr, pas en tant que con. Ça devait forcément exister. J'ai alors fouillé le net à la recherche d'éléments qui pourraient m'indiquer où participer à ce genre d'événement. Et après quelques jours de recherche, je suis finalement parvenue à trouver un forum composé de gens qui partageraient mon amour pour ce film. Et cerise sur le gâteau, il prévoyait d'organiser un dîner de C. Malgré le dernier mot incomplet, censuré, je pense, car c'était quand même une insulte, j'ai compris que c'était ce que je recherchais. Un vrai dîner de cons. On devait alors s'inscrire à ce dîner tout en précisant le nom du con qui nous accompagnerait, et c'était là le problème. Je connaissais beaucoup de gens stupides, mais aucun n'avait le niveau d'un François Pignon. Ils étaient cons, mais ce n'étaient pas des champions. Le forum avait pensé à ceux qui n'avaient pas dans leur connaissance de cons de compétition, et avait mis à disposition des cons notoires. Repéré par les autres membres du forum, il y avait une petite liste par département. J'ai alors utilisé cette liste et pris l'initiative de prendre contact avec l'un des cons du coin. Il s'appelait Jean-Philippe et tenait un petit site où il faisait profiter les gens de sa passion. Les balles de ping-pong décorées. Il en avait toute une collection qu'il montrait fièrement sur les pages de son site. Des petites balles de ping-pong de toutes les couleurs avec des visages dessinés au marqueur et des petites perruques. C'était vraiment pathétique. Ce mec devait vraiment être un gros con, assez pour que je l'amène avec moi au dîner. Un vrai François Pignon en devenir. Je lui envoyais un mail, lui disant que moi aussi j'adorais peindre des balles de ping-pong et que je connaissais même d'autres gens avec la même passion. Et ce con avait tout gobé. Il était même très enthousiaste à l'idée de rencontrer des gens comme lui avec la même passion. On a commencé par se voir autour d'un verre, pour discuter des balles de ping-pong, puis il m'a invité chez lui pour me montrer sa collection. Bien sûr, moi, j'en avais rien à carrer de ces balles, mais je jouais le jeu. Jusqu'au jour où je l'ai invité à ce dîner, lui disant que c'était un dîner entre gens qui adoraient peindre les balles de ping-pong et que tout le monde voulait voir ses meilleures œuvres. Il a accepté de suite, sans réfléchir. Le jour J, je me suis présentée à l'endroit indiqué avec Jean-Philippe. La soirée se passait dans une cave, à l'abri des regards. J'avais eu du mal à trouver tant que c'était bien caché. Une fois sur place, j'ai fait connaissance avec les autres membres qui aussi avaient trouvé ce forum en voulant participer à un dîner de cons. Et, comme moi, ils ne connaissaient pas de cons intéressants. Alors ils avaient utilisé la liste donnée. Comme quoi, c'était vraiment pratique. On a parlé un peu entre nous pendant que les cons qu'on avait emmenés discutaient entre eux. On n'a pas attendu le dîner pour se foutre allègrement de leur gueule. Avec ce que me disaient les autres membres à propos de leurs cons, ça promettait vraiment une soirée spectaculaire. Ils étaient tous vraiment à la hauteur du personnage du film. Des vrais cons de compétition. Le dîner a ensuite commencé. Un des cons amenés par les autres membres était un passionné de vin blanc fruité. Il avait emmené une bouteille aromatisée à la pêche. Il y a beaucoup de gens passionnés de vin, mais généralement ils aiment le bon vin, pas le vin blanc acheté à Lidl pour 5 euros. Bref, c'est complètement con comme passion. Pour fêter la soirée, il a servi un verre de vin à tout le monde et semblait extrêmement excité à l'idée que les autres boivent son vin et lui en disent des nouvelles. On a tous levé notre verre et on a bu. Enfin tous, sauf moi. Je détestais le vin et j'avais en horreur par-dessus tout le vin blanc, aromatisé ou non. J'ai donc porté le vin à ma bouche et j'ai fait semblant de boire. J'ai ensuite tout recraché discrètement dans le pot à fleurs à côté, même si j'en avais avalé un petit peu, ce qui m'a laissé un goût affreux dans la bouche. Le dîner s'est alors déroulé normalement. Les cons présentant à tour de rôle leur passion, tout aussi ridicules les unes que les autres. De notre côté, les membres du forum, on s'efforçait de ne pas rire aux éclats. Mais c'était vraiment difficile, notamment car j'avais la tête qui tournait, ce qui était bizarre car j'avais pratiquement recraché tout le vin. Je ne pouvais pas être sous. Quelques minutes après, j'ai vu les autres membres tomber face contre table, les uns après les autres. Je me suis alors dit que le vin devait être bien fort pour produire cet effet. Après tout, j'étais pas traque, même avec la minuscule portion que j'avais bu. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas le vin qui avait produit cet effet. Quand un des cons s'est levé et a annoncé... Je déclare le dîner de cannibales ouvert. À table, tout le monde.
et soi-disant cons ont alors commencé à montrer leur vrai visage. L'un d'eux avait un couteau, a commencé à tailler un bout du visage d'un membre du forum et l'a ensuite avalé tout cru. D'autres ont commencé à ouvrir le ventre des membres pour en extraire les organes, avant de les emmener vers la cuisine qui était toute proche. Quant à moi, qui n'étais pas complètement sous l'effet du vin, qui devait sûrement contenir un puissant sédatif, je pouvais voir mon con, Jean-Philippe, me regarder avec envie. Il lorgnait sur moi comme un homme n'ayant pas mangé depuis plusieurs jours, qui regarderait un bon steak saignant. J'ai alors compris que ce forum n'était qu'un leurre pour nous pousser à venir dans cette cave. Que la liste des cons n'était en fait qu'une liste de cannibales, attendant de se faire contacter par leur prochain dîner. Dans ce dîner, les cons, c'était nous, pas eux. Dans mon malheur, il y avait une bonne nouvelle. C'était le fait que je n'avais pas bu le vin qu'ils nous avaient proposé, et donc je n'étais pas complètement droguée. Jean-Philippe s'est saisi d'un couteau, mais avant qu'il ne l'utilise, je lui ai donné un grand coup de poing dans la mâchoire, le mettant presque KO. Ces années de boxe m'avaient enfin été utiles. Je me suis ensuite enfuie à toutes jambes, profitant du fait que les hôtes étaient soit en train de manger, soit en train de cuisiner des bouts de chair. J'ai couru le plus vite possible jusqu'à apercevoir quelqu'un qui m'a indiqué le poste de police le plus proche. Et oui, à l'époque, je n'avais pas de portable. J'ai expliqué l'histoire aux autorités locales et je les ai menés vers l'endroit où s'était déroulé le dîner. Sur place, ils ont bien retrouvé les cadavres de tous les autres membres qui avaient emmené un con. La plupart taillés en pièces et à demi dévorés, mais aucune trace des cons. Après enquête, ils n'ont jamais pu remonter à la piste des cannibales. Le forum, qui avait été fermé entre-temps, ne menait qu'à l'un d'entre eux qui l'avait créé, l'animait seul depuis un cybercafé où il n'avait jamais donné son vrai nom. L'appartement de Jean-Philippe, qui ne devait pas être son vrai nom d'ailleurs, était complètement vide. Il avait squatté un appartement vide et changé les serrures pour rendre son histoire plus vraie. Ces cannibales nous avaient vraiment roulé dans la farine. Après cette histoire, j'ai déménagé, espérant que ces gens ne me retrouveraient pas. Moi qui voulais tant me moquer des gens pas très intelligents, j'avais finalement été piégée facilement par l'un d'entre eux. J'avais vraiment été con. Si un jour je me fais inviter à un dîner par l'un de mes amis, je ne serais pas surpris.